physique. Oui, ça c'est bien joué par contre pour William Ayache. Ayache en position d'ailier gauche qui a beaucoup de chance, qui peut revenir vers le milieu. Frappe, frappe. Il a mis un tout petit peu en retrait. C'était pas mal fait, c'est dommage. Allez. C'était imparable si Ali Lodzic peut frapper ce ballon. Mais ça repart immédiatement de l'autre côté, Kuznetsov. Ils sont deux contre un dans l'axe, il y a tout seul, il est dans l'axe. Tchernenkov. Tchernenkov. Oh, et but. Et il est beau, sous la barre. Ah oui. But de Tchernenkov à la 23e minute, rien à faire. Ouais, alors que l'on avait il y a quelques secondes une occasion pour les Nantais. Ici un relais de Tchernenkov avec Gavrilov. Il remet d'un peu de l'extérieur et la balle va partir en pleine lucarne de Bertrand Neumann. Non, sans que celui-ci l'ait touché. Sans que l'on puisse dire, Jean-Michel, que c'est immérité. Non, c'est vrai. Mais là, évidemment, le problème est tout à fait différent. Car le Spartak mène ici 1-0 sur l'ensemble des deux matchs. Les équipes sont à égalité, toutes les deux ayant pris l'avantage à l'extérieur. Alors là, maintenant, il faut tenir, il faut absolument que les Nantais marquent ce but. De beauté. Ah, c'est vrai, c'est le football. Hein. Un centre en retrait qui est raté d'un millimètre par Ali Lodzic et sur la contre-attaque, Tchernenkov qui marque. Leroux, Brasigliano, Ayache, auteur d'un grand match, William Ayache. Et une faute juste sous les yeux de l'arbitre de Monsieur Boubnov. Voilà, la solidarité des frères de l'Est. Boubnov et Ali Lodzic. Maurice. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit, il est beau. José Touré. Magnifique sur ce coup franc. Juste ce qu'il fallait. Oui, c'est recalé le magnéto pour vous montrer cette tête millimétrée. Regardez, il ne la frappe pas, il la lobe. Juste ce qu'il faut pour tromper Rinat Dasaev. On va encore la revoir. Il va s'élever largement. Quelle est belle, quelle est belle. Au-dessus de... Ah là, un petit problème. Ah oui, non, José. On la reverra. Elle est magnifique. José Touré qui remet 1 minute et demie après le but de Tchernenkov. Les deux équipes à égalité.